Vous suivez l'émission Vie transformée et tout comme les précédents numéros, je vous réserve pour ce soir l'expérience, l'histoire d'une autre vie transformée. Il s'agit d'Amédée Tivoli dont le passé a été marqué par une emprise des esprits méchants, des démons, de la sorcellerie et des esprits de Marie des Nuits, prédestiné par sa famille à être un membre du clan de la sorcellerie. Tivoli Amédée se verra plongé dans une souffrance extrême, dans une détresse extrême du fait de son refus d'appartenir à ce clan. S'en suivra donc maladie, chômage, détresse, pauvreté, échec scolaire, une souffrance qui prendra fin à partir de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. À quoi ressemblait son passé? Comment a-t-elle refusé cette proposition de sa famille et quelles ont été les conséquences? Comment a-t-elle rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Et en ce moment, comment vit-elle sa vie? Vous trouverez toutes les réponses à ces questions dans le témoignage de Tivoli Amédée qu'elle a décidé de vous partager dans ce numéro de Vie transformée que je vous invite à suivre maintenant. Bonsoir et bienvenue. Je me nomme Tivoli Lugoyi Amédée. Le Seigneur Jésus m'a délivré d'un esprit de la sorcellerie et d'un esprit de Marie de nuit. Il faut dire que je suis issue d'une famille de 6 sœurs et 3 frères. Et mon enfance a commencé bien. À l'école primaire, j'étais brillante. Et c'est comme ça que dans le monde spirituel, du côté des parents, à cause des adorations, ils m'ont choisi pour pratiquer la sorcellerie. Et quand j'étais au CM2, du CP1 jusqu'au CM2, il n'y avait pas de problème. Mais à partir de la classe de 4e, c'est là que tout a commencé à vraiment se déclarer. Et quand je vais à l'école, j'avais toujours des soucis. Je tombais en transe à l'école, en classe. Vraiment, je souffrais. Et il n'y avait aucun mois que je ne passais sans tomber malade. J'étais tout le temps malade. Tout le temps. Et quand je dis malade, ce n'est pas des petites maladies de mal de tête de 2 jours, non. C'est des maladies graves. Maux de gorge, maux d'yeux. Vraiment, mes parents ont beaucoup dépensé. Et chaque fois, c'était l'hôpital. Nous étions entre l'hôpital et la maison. Parce qu'ils ne savaient pas d'où provenait la maladie. Or, c'était un problème spirituel. Mais comme papa n'étant pas chrétien, maman aussi n'étant pas chrétienne, personne n'allait à l'église. Donc, c'est l'hôpital qui comptait beaucoup. Et une fois, j'ai perdu connaissance. Je suis tombée dans les pommes. Et c'est comme ça, il y a une dame qui était là, une camarade à maman, qui lui a dit, ah, vraiment, les signes qu'elle présente là, c'est les signes du fétichisme. Il faut qu'on aille voir les féticheuses du village là pour venir faire des incantations pour voir qu'est-ce que les esprits disent. Et c'est comme ça qu'ils sont allés. Ils ont fait venir des féticheuses à la maison qui sont rentrées, qui ont fait des incantations avec de la fumée partout dans la chambre. Et j'ai dit à maman que j'ai tout fait. Et la vieille a dit, bon, c'est que ce n'est pas la peine qu'elles arrêtent toute leur cérémonie. Et elles sont parties. Donc, quand elles sont parties, j'ai pris connaissance après. Et maman m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit non, que je ne voyais rien. Mais je sentais que j'étais étouffée. Voilà, je n'arrivais pas à respirer. Et elle a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, cette phase-là est passée. Un jour, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, j'étais au milieu d'un groupe de femmes. Assise, ligotée, des 2 mains et des 2 pieds. Et elles étaient en train de me poser des questions. Et pendant qu'elles me posaient ces questions-là, je ne pouvais pas répondre parce que j'étais enchaînée des pieds et j'étais enchaînée des bras. Les bras à l'arrière et les 2 pieds enchaînés. Et j'étais assise vraiment dans une position de faiblesse. Et il y avait une reine qui était juste en face de moi. Moi, j'étais au milieu
Et la reine, ses agents étaient autour. C'était toutes des femmes. Elles étaient peintes en noir. Et la reine m'a ordonné de me lever pour danser et chanter. Et quand je me suis levée dans le rêve, j'ai commencé à chanter une chanson de Dieu qui donnait victoire, qui voulait dire que c'est Dieu qui va me donner la victoire. C'est à Jésus que je regarde, c'est à Dieu que je regarde. Et je voudrais signifier que je ne partais pas à l'église d'abord. Voilà, je ne partais pas à l'église. Mais le Seigneur m'a donné cette force-là de chanter un cantique chrétien. Et ça a énervé la reine. Elle m'a dit de me taire. Que je pense que quoi? Ce Dieu que je suis en train de dire son nom-là, là où ils sont là, nous sommes là, il ne peut pas venir me sauver. Il n'a même pas le pouvoir même d'arriver là. Et moi aussi, j'ai répliqué en lui disant comme ça que qu'il est le pouvoir, qu'il n'est pas le pouvoir. Moi, je sais qu'il y a un grand Dieu qui existe, qui viendra me secourir. Et elle m'a ordonné de m'asseoir. Et je me suis assise. Donc, comme j'aimais mon grand frère et ma maman, ils ont fait passer d'abord ma maman sur une grande voie. Et quand ma maman était en train de passer, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit, « Maman, viens me secourir. » Elle a dit, « Ma fille, là où tu es arrivée là, je ne peux rien pour toi. Vraiment, je suis désolée. » Et la vieille est passée, maman est passée. Elles ont commencé à rire aux éclats. Et après ça, elles ont fait passer mon grand frère. J'ai aussi dit encore la même chose, qu'il vienne me secourir. Il a dit, petite soeur, je t'aime bien, mais je ne pourrai pas. Et c'est comme ça qu'elles se sont mises encore à se moquer de moi. Donc, quand elles étaient en train de rire, elles ont commencé à faire des incantations. Je ne sais pas ce qu'elles disaient parce que je ne comprenais pas la langue. Et j'ai dit que vos incantations-là ne pourront pas m'atteindre parce que Jésus va venir me sauver. Quand j'ai dit Jésus va venir me sauver, la reine est quittée sur son trône. Elle est tombée. Et elle m'a dit de ne plus jamais prononcer ce nom. Elle s'est mise en colère. Et c'est comme ça que ses agents se sont levés. Elles l'ont soulevée. Et après ça, pendant qu'elles étaient en train de chanter, elles m'aspergeaient avec la poudre, une poudre blanche. Et elle a ordonné à une de ses servantes d'aller chez une eau noire. Et quand cette dernière est partie, elle est revenue avec une bassine en main. Moi, j'étais assise, toujours ligotée. Et elles ont fait leur incantation. Lorsque la servante a incliné la bassine pour que l'eau là puisse verser sur ma tête jusqu'à prendre tout mon corps et devenir comme elle, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'étais en sueur. J'ai commencé à dire merci à Dieu. Et c'est comme ça que la maladie persévérait toujours en moi. Persistait pas en moi. Et vraiment, je n'avais pas la paix. Mes études ont commencé à vraiment être troublées. Quand je vais à l'école, je n'arrive plus à retenir. On peut nous donner une interrogation. J'ai bossé à la maison. Mais lorsque le professeur vient et qu'il met l'interrogation au tableau, automatiquement, je suis troublée. Mon esprit devient vide. C'est comme si je n'ai jamais fait CP1. Même A, mais je n'arrive pas à prononcer. Et je tombe en transe. On appelle mes parents qui viennent me prendre. Et quand j'ai vu que c'était en train de jouer sur mes études, une fois, j'ai demandé à un monsieur que Jésus, là, on le voit où? Où est-ce que je peux trouver Jésus? Et ce dernier m'a dit à l'église. Donc, comme tout près de nous, il y avait une église, c'est comme ça que je me suis dirigée vers cette église-là. Et je suis partie, j'ai expliqué mon problème. Et quand je finis d'expliquer mon problème, bien-aimés, ils ont commencé à prier pour moi. Et quand ils ont commencé à prier, les esprits se sont manifestés. Pendant que les esprits se manifestaient, j'ai commencé à courir. Je suis sortie de l'église et ils ont mis des frères, des sœurs à mes trousses. Ils sont allés me chercher, ils m'ont ramené à l'église. Et ils ont prié pour moi, ils ont fait ma délivrance. L'année-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à prier avec cette dénomination-là. Et j'ai arrêté tout rapport sexuel avec les hommes. Et pendant ce temps, mes études ont commencé à reprendre bon coup.
Et en classe de troisième, quand l'année a commencé, c'est encore les mêmes choses qui ont repris parce que j'ai arrêté de partir à l'église. Et comme j'ai arrêté de partir à l'église, donc les esprits ont commencé à revenir. Mais ils sont venus vraiment avec une force qu'on ne peut imaginer. Ils sont venus plus nombreux encore. Et cette fois-ci-là, c'est accompagné de l'esprit de nuit. En classe de 4, 3e, j'ai commencé à fréquenter les hommes. Chaque fois que j'avais un copain en son temps, point oui, point non, je ne voulais plus de la relation. Je partais chez ce dernier-là, je lui disais que c'est bon, je ne veux plus avoir les rapports sexuels avec toi, je ne veux plus sortir avec toi. Et quand il me demandait pourquoi, je lui dis bon, je ne sais pas, mais ce n'est plus la peine. Et il faut dire que je n'avais pas de relation stable. Parce que chaque nuit, il y a un homme qui venait coucher avec moi. Et chaque fois qu'il venait pour avoir les rapports sexuels, le lendemain, je partais toujours rompre ma relation physique avec l'homme avec qui j'étais. Et c'est comme ça que la vie a continué. La première année, en troisième, je n'ai pas eu mon BPC parce que ce n'était pas facile. Et encore, après la première année en troisième, j'ai fait encore une deuxième année en troisième. J'ai passé encore le BPC. Ça n'a pas marché. Parce que les esprits sont venus une fois en songe, je me dis que comme j'ai décidé de ne pas être avec eux, donc pour cela, ils vont gâcher ma vie. Ils vont détruire mes études. Je n'aurai pas d'enfant. Je ne vais pas me marier. Parce qu'ils ont cité, je me rappelle très bien du rêve, ils ont cité, comme tu ne veux pas être avec nous, voilà ce que nous allons faire dans ta vie. Nous allons gâcher d'abord tes études. Tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas d'enfant. Tu vas passer d'homme à homme. Et cinquième, tu vas avoir la maladie du VIH-Sida et tu mourras. Nous allons te rendre folle. On va te mener la vie dure. Et tu vas comprendre que tu as fait un mauvais choix. Et dans le rêve, je leur ai dit, si vous avez décidé de me mener cette vie dure-là, moi je sais que le Dieu que j'ai choisi là, il va me restituer ma liberté. Il va me guérir, il va me restaurer. Et c'est comme ça que, à la suite de ça, je me suis réveillée. Bien-aimée, quand je me suis réveillée, cela m'a attristée. J'ai pris peur parce que vraiment, je n'étais pas engagée avec le Seigneur. Donc, j'avais peur de ce qu'ils avaient dit. Parce que je me disais que si je ne vais pas avoir d'enfant, c'est que à quoi me sert la vie? Si mes études sont gâchées, pourquoi vivre alors? Et chaque fois que j'étais là, j'avais envie de me suicider. Je me disais que ma vie était inutile. Pourquoi vivre? Et quand je dis que j'ai envie de me suicider, il y a une voix qui me dit, oui, c'est la meilleure solution. Si tu prends des comprimés que tu bois, que tu meurs, ça ne va rien faire. Ça veut dire que personne ne regrettera même ton départ même, parce que tu es inutile. Et après ça, je reviens encore à moi-même, par la grâce de Dieu. Et j'abandonne. Il faut dire que j'ai essayé de me suicider deux fois. Voilà, j'ai essayé de me suicider deux fois. J'ai pris des comprimés et ça n'a pas marché. La deuxième fois aussi, j'ai encore pris des comprimés, mais ça n'a pas marché. Et pendant ma deuxième année, en troisième, j'ai connu aussi une autre dénomination. 2005, c'est là que je me suis baptisée, je me suis fait baptiser dans cette dénomination-là. Et j'ai décidé de m'engager véritablement au service de Dieu. Mais je voudrais aussi ajouter aussi une autre chose. C'est que pendant que j'étais à la maison familiale, il y avait des voix qui me disaient que tu n'es pas aimée à la maison familiale ici. Personne ne t'aime. Donc, fais tout possible. Si tu peux suivre un homme, tu vas aller te marier. Vas-y, tu es libre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à quitter la maison familiale. Je suis allée vivre chez le pasteur, l'homme de Dieu dont je suis en train de parler là, qui m'a baptisé là. Et arrivé là-bas, j'ai connu un homme de Dieu qui était venu en son temps pour aider cet homme de Dieu là, mon pasteur. Et c'est comme ça, lui et moi, on a commencé à avoir des rapports sexuels.
Et je l'ai suivi, nous sommes venus à Abidjan, 2005-2006. Et quand nous sommes venus à Abidjan, je lui ai dit que, ah, tu es homme de Dieu. Mais moi, quand je lis la Bible, là, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, là, je ne vois pas un homme qui a marié sa femme sans l'avoir dotée. Hein. Est-ce que ce qu'on est dedans, là, ce n'est pas du faux? Il dit, mais tu sais que, est-ce que tu as bien lu la Bible, là? Il y a des fois où tu peux sortir avec la femme et puis après, quand tu es prêt, tu vas la doter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que le monde semble responsable pendant 6 ans. Et on a eu un fils. Il faut dire que pendant ces 6 ans-là, j'étais toujours attachée au Seigneur, mais ce n'était pas aussi trop fortement. C'est-à-dire, j'étais en quête de Dieu. Je cherchais Dieu. Je savais que j'avais besoin du Seigneur. Mais comment faut-il faire pour le trouver? Là, je ne savais pas. Parce que je me disais que j'étais beaucoup chrétienne. Le fait de partir à l'église chaque dimanche, j'étais dans le groupe musical, tout ça là. Or, pourtant, j'étais avec un homme, je vivais avec un homme qui ne m'avait pas doté. Et ça me fatiguait. Ça me fatiguait énormément. Chaque fois que ça me revenait en esprit, quand je l'interpelle, il dit, non, il faut laisser. Quand je serai prêt, je vais aller te doter. C'est comme ça que ma vie était vraiment une misère. Quand je dis une misère, c'était vraiment une misère. Avec ce dernier-là, on n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Et un enfant à l'appui. Je vendais les gâteaux. Je me promenais avec des marchandises. C'est-à-dire, tout ce que j'entreprenais, c'était l'échec, 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 l'échec. Et c'est comme ça que j'ai dit à ce dernier-là, vraiment, comme Abidjan, ça ne va pas, qu'on aille, qu'on retourne chez lui en famille, à Beauville. Et il m'a écouté, nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai connu encore une autre église, une autre dénomination à laquelle je me suis attachée véritablement aussi. Et j'étais vraiment investie dans cette œuvre de Dieu-là. Je chantais. Et c'est comme ça que j'ai dit au pasteur, « Ah, voici ce qui se passe entre moi et mon homme. Il ne veut pas aller me doter. Or, chaque fois, il me demande les rapports sexuels. » Et le pasteur a dit, « Non, il n'est pas bien que vous alliez ensemble. Donc, faites séparation de corps. Tant qu'il n'a pas encore fait la dot, ce n'est pas la peine. » Et le jeune en question, il ne voulait pas s'engager véritablement. Donc, après ça, j'ai dit, bon, s'il ne veut pas s'engager, au lieu de perdre le temps là, ce n'est pas la peine. Donc, moi, j'ai pris mes bagages et j'ai loué ma maison. J'ai quitté sa cour familiale. J'ai pris mon enfant et nous sommes partis. Et je continue toujours dans mes commerces parce que je vendais. Et chaque fois que je vendais, en tout cas, le Seigneur me faisait grâce. Dans cette dénomination-là, Dieu me faisait grâce. C'est comme ça qu'un jour, il y a la femme de mon grand frère qui est venue à Beauville, qui est venue me chercher, qui m'a dit que mais si tu es venue ici et que ça ne va pas, retourne en famille. Le mariage n'est pas forcé. Et s'il dit qu'il ne te marie pas, reviens en famille. C'est comme ça que j'ai pris la décision de retourner en famille à Boisflay. Et là-bas, Dieu m'a fait la grâce de suivre une formation d'auxiliaire en pharmacie et caissière. J'ai fait 6 mois de formation. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. J'ai eu mon diplôme. Et j'ai commencé à travailler dans une pharmacie. Et pendant que je travaillais dans une pharmacie, en tout cas, le Seigneur me bénissait. Là-bas aussi, je me suis attachée encore à une autre église, une autre dénomination. Parce que l'église où je partais à Beauville, il n'y en avait pas à Boisflay. Donc, j'étais obligée de m'attacher encore à une autre église. Parce qu'il faut dire que je cherchais le Seigneur. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais où le trouver là? C'est ça que je n'avais pas encore eu. C'est comme ça que je suis restée à Boisflay pendant 3 ans. Et j'ai eu l'idée d'aller au Koweït, aller travailler pour avoir l'argent et puis venir investir au pays. Bien aimé, on m'a parlé des conséquences du Koweït, mais je n'ai pas calculé ça. Quand j'ai travaillé pendant les 3 ans, j'ai fait des économies, j'ai fait mon passeport et j'ai appelé une sœur au Koweït là-bas qui m'a dit « je peux venir ». Je suis venue à Abidjan, j'ai rendu démission à la pharmacie. Il y a mon patron mais qui ne voulait pas. Sa femme aussi, ils m'ont dit qu'ils allaient m'augmenter. J'ai dit « non, ce n'est pas une question d'augmentation, c'est une question de partir au Koweït. Pour ça, je ne veux plus rester en Côte d'Ivoire ». C'est comme ça que je suis rentrée sur Abidjan et j'ai fait mes papiers. En 2018, je suis partie au Koweït. Et là-bas encore, le diable s'est manifesté. Le diable a frappé fort. Quand nous sommes arrivés au Koweït, la première semaine, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un travail.
en tant que nounou dans une famille soudanaise. Et quand je suis arrivée, j'ai travaillé premier jour, deuxième, troisième jour. Les dévanciers qui nous trouvent du travail, là, nos responsables, là, sont venus me chercher. Et quand ils sont venus me chercher, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Quand ils m'ont envoyé à l'hôpital, vraiment, de 8h jusqu'à 16h, nous étions à l'hôpital. Ils ont fait des tests, des analyses, des tests en un point fini. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce qu'il y avait. Et c'est comme ça, comme eux, ils ne comprennent pas trop l'anglais, ils s'expriment plus en arabe. On n'a pas conversé, ils ne m'ont rien dit. Et nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, dès que j'ai voulu descendre du véhicule pour aller rejoindre mon poste de travail, on m'a dit non, tu ne peux pas bouger, reste là. Et les minutes qui ont suivi, j'ai vu le monsieur là avec tous mes bagages qu'il est venu mettre dans la voiture. Et nous sommes partis à notre maison de base. Notre maison de base, c'est quand tu arrives au Koweït, la maison qui vous reçoit avant de chercher du travail pour vous, c'est une maison de base. Et quand nous sommes arrivés là-bas, ils m'ont jeté dans une chambre, ils m'ont arraché mon téléphone et ils ont fermé la chambre sur moi. Bien-aimé, quand ils ont fermé la chambre sur moi, le matelas que j'ai dormi dessus chez ma patronne, ils m'ont tout donné. J'ai déposé le petit matelas et je me suis couchée. Et quand je me suis couchée, je me suis dit que c'était un rêve. Peut-être que je vais me réveiller, tout allait bien se passer. Mais quand j'ai dormi avec les larmes aux yeux. Parce que je demandais au Seigneur qu'est-ce qui se passait. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu que ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Et il y avait une dame du nom de Tante Hélène, en tout cas là où elle est, que le Seigneur la bénisse, parce qu'elle a été vraiment un soutien pour moi. Elle est venue, elle m'a demandé, mais qu'as-tu fait pour qu'on vienne t'enfermer dans la chambre ici? Je lui ai dit, je ne sais pas. Elle m'a dit d'accord, qu'elle allait aller voir à la source. Et elle part, elle revient vers moi. Elle me dit, ah vraiment, ce que je vais te dire, il faut que tu attrapes ton cœur. Je dis, ah, j'ai le sida. Elle dit non, c'est plus que le sida. Je dis, mais c'est quelle maladie que j'ai? Parce que j'ai fait tous mes tests en Côte d'Ivoire. On m'a justifié, on m'a dit que je n'étais pas malade. Et c'est ce qui a fait qu'on m'a donné le visa pour venir au Koweït. Et elle m'a dit comme ça que j'avais un problème de cœur. Il y avait des firons qui ont commencé à apparaître sur mon cœur. Que vraiment, ce n'est pas une petite maladie. Mais ce qu'elle peut me dire, ils vont me soigner. Bien-aimée, j'étais abattue, j'étais dépassée. Je ne savais quoi faire. J'ai pleuré, j'ai prié le Seigneur et ils m'ont soignée. Ils m'ont envoyée à l'hôpital près de 5 fois. Ils m'ont même hospitalisée. Ça dit que je ne mangeais pas, je dépérissais. Je saignais par le nez. Voilà, je saignais par le nez. Et quand je vais travailler comme ça, je suis fatiguée, je n'arrive pas à travailler. C'est l'eau seulement que je buvais. Et le jour où je devais rentrer, ce qui a précipité ma venue en Côte d'Ivoire, ce jour-là, je me rappelle, c'était un vendredi. J'ai vomi de 13h jusqu'à 16h45. Quelqu'un qui ne mange pas, qui ne fait que boire de l'eau. J'ai vomi. Et le vomissement était tellement noir. C'était vraiment amer aussi. C'est comme ça que je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée ici à 2h du matin. J'ai appelé mon frère qui allait me chercher à l'aéroport. Et quand il est venu me chercher, vraiment, quand il m'a vu, il a fondu en larmes parce que je n'étais même plus homme. J'étais finie tellement que la maladie m'a vraiment fatiguée là-bas. Bien-aimée, quand je suis arrivée à Abidjan, le jour où j'ai mis les pieds à Abidjan, le lendemain, je suis allée à l'hôpital. J'ai fait les analyses. Ils n'ont rien trouvé. Rien trouvé. Rien, 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 rien. C'est comme si je n'étais jamais malade. Quand j'ai repris ma forme, jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de manifestations de douleur, de maux de cœur et rien. Donc, j'ai continué à chercher toujours ce Dieu-là. J'étais dans les dénominations. Un pied dedans, un pied dehors. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Puisque je tournais toujours en rond. Je n'avais pas de relation stable. Il n'y avait aucun homme qui voulait de moi. Et pendant que j'étais à Boisfleur chez mon grand frère, j'ai eu une relation avec un homme qui est allé même jusqu'à, je vois mes parents, pour faire coco. Il a dit qu'il voulait m'épouser. Il a vu mon grand frère, il a fait coco là-bas. Et il s'est déplacé pour aller voir le vieux et la vieille à Annie Bilicro pour faire coco. Et après ça,
quand il est retourné sur Boisflay, et moi, je l'ai rejoint à Boisflay parce que j'étais encore chez mon grand frère. Je n'étais pas encore partie chez lui. Je voulais qu'il me donne d'abord avant que je parte. Bien-aimé, la relation s'est interrompue. Il faut dire que où je suis assise ici, là, si on me demande qu'est-ce qui s'est passé, je ne saurais quoi dire parce qu'il ne s'est rien passé pour que la relation puisse s'interrompre. On n'a pas fait palabre. Je ne l'ai pas trompé, rien. Mais la relation est restée comme ça. Je signifie ça parce que j'ai dit que j'avais un problème de mari de nuit. Et il y a un fait que j'ai voulu aussi mentionner qui m'a marqué, bien aimé. C'était en 2015, nous sommes allés à Congo. Et mon grand frère, il travaillait. Nous sommes allés en vacances. Je me rappelle, c'était un après-midi. C'est le jour que j'oublie un peu. Je suis allée faire la sieste. 13h, 13h30, 14h, j'ai eu la visitation du mari de nuit. Frère, ça a été tellement... comment on appelle ça? En fait, j'ai tellement ressenti ça, comme si l'homme même venait de coucher avec mon fraîchement et il s'est levé, il est parti. C'est-à-dire que ça a dépassé l'entendement même de l'esprit de nuit. Frère, ce jour-là, quand je me suis réveillée et que j'ai vu que j'étais mouillée de partout, ça m'a révoltée. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi moi? Parce qu'un esprit qui vient coucher avec moi, on dit esprit de nuit, mais s'il doit venir faire encore à midi là, c'est que moi-même je suis foutue. Donc vraiment, ça m'a marqué. Et ce jour-là, j'ai passé mon temps à pleurer devant la face de Dieu. J'ai pleuré, j'ai fermé la chambre. J'ai pleuré en priant, criant à Dieu. Et il y a mon grand frère qui est venu taper. Ah, tu vas pleurer, mais est-ce que c'est toi à toi ce que ça arrive? Les difficultés, c'est toujours dans la vie de chacun d'entre nous. Mais tu pleures, la fois, arrêtez de pleurer. Bien-aimé, je n'écoutais personne. Parce qu'il savait ce qui m'était arrivé. L'esprit de nuit est venu coucher. Parce que il n'a pas couché seulement avec moi. C'est comme s'il est venu me violer, mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. C'est dans cette quête de ma liberté. Parce que je me sentais dans la servitude des esprits. Dieu m'a permis d'arriver à Bingerville. Parce que le Seigneur avait un plan pour moi. Il faut dire que je ne connaissais pas la CMCI. Je n'avais jamais entendu parler de cette église-là. Et c'est une amie sœur qui m'a parlé de cette église pendant que j'étais déjà à Bingerville ici. Et quand elle m'a parlé, je lui ai dit que je n'ai jamais entendu parler de cette église-là. Elle m'a dit d'accord. Elle allait chercher le numéro d'un dirigeant au niveau de Bingerville et elle allait me faire venir ça. Comme ça, je vais l'appeler et ensemble, on va essayer de voir comment est-ce qu'il pourrait m'aider. C'est comme ça qu'elle a trouvé le numéro. Et quand j'ai appelé ce dirigeant-là, il m'a dit, OK, dans 10 minutes, je serai là. Bon, je ne croyais pas au fait. Et les 10 minutes qui ont suivi, il m'a appelé. Il m'a dit que tu voudrais qu'on passe, on gare à quel carrefour. J'étais étonnée. J'ai dit, ah, vous êtes déjà arrivé? Il dit, oui. J'ai dit, bien. Ça, là, c'est que ça doit être une église quand même sérieuse. Hein. Un dirigeant, un pasteur qui va se déplacer jusqu'à venir vers moi. Là, là. D'accord, on va essayer de voir. Parce qu'il faut dire que j'ai cherché tellement Dieu. Mon amie soeur chez qui j'étais là, elle me disait que j'avais une odeur corporelle. Et que quand je suis quelque part, c'est des palabres. C'est vrai que je dégage une onde positive en moi, mais vraiment, les esprits qui me suivaient là me fatiguaient, me donnaient une odeur pas possible. Donc, c'est comme ça aussi, dans la quête de pouvoir enlever cette odeur-là sur moi, j'ai connu un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui devait faire ma délivrance. Et dans cette délivrance-là, il voulait utiliser les bouteilles de vin. 20 tola et 20 apôtres. Dans les débuts, c'était d'abord 2 bouteilles de vin. Après, c'est revenu à 4 bouteilles de vin. Et chaque fois que je lui demandais, il dit non, que c'est plus 4 bouteilles de vin, c'est 6 bouteilles de vin. Après, il me dit 8 bouteilles de vin. Ton problème est très sérieux. Après, 10 bouteilles de vin. Après, il me dit 12 bouteilles de vin. Les 12 tribus d'Israël.
Tout compte fait, même si c'est 20 bouteilles, moi, je veux faire ce bain-là pour être délivrée une bonne fois pour toutes. Frère, il faut dire que les démons ne sont pas saoulés. Regardez ce qu'ils me montrent, comment ma vie est mélangée. Donc, il va faire la délivrance avec les bouteilles de vaisselle, ils vont être saoulés, mais ils vont me tuer même. Parce que franchement, dit, je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien à ma vie. Et c'est comme ça. Il m'a dit, pendant la délivrance, quand il va finir de prier pour moi, je dois prendre ces bouteilles de vin là pour aller casser 5 carrefours. Je lui ai dit non, moi je ne vais pas aller casser 5 carrefours. C'est vous-même qui allez prendre pour aller casser 5 carrefours. Et il me donnait des parfums, myrrhe et consorts pour faire les bains. Ça, c'est avant de rencontrer la CMCI. Et c'est après ça que le dirigeant est venu vers moi. Parce que j'étais vraiment fatiguée, je cherchais la solution. Et quand il est venu vers moi, lui et moi, on a échangé. Et il m'a donné rendez-vous le lendemain. Et quand il m'a donné rendez-vous, je suis partie. On a échangé encore. Il m'a donné les principes, il m'a donné la voie à suivre. Bien-aimé, ce qui m'a attirée, ce qui m'a captivée, ce qui m'a plu, ce qui m'a parlé de la vraie repentance. Et quand il a dit la vraie repentance, je lui ai demandé, ça sert à faire quoi? Et ça se passe comment? Et il m'a donné un cahier de 100 pages. Il m'a dit d'énumérer tous mes péchés depuis mon enfance jusqu'à ce qu'aujourd'hui je sois ici. Et cela m'a vraiment plu. Chose qu'on ne fait pas dans les dénominations. Et ça m'a donné l'envie encore de découvrir qu'est-ce qui allait se passer après la repentance. Et il m'a dit comme ça qu'après la repentance, ils allaient me baptiser. Chose que j'ai approuvée. Et le jour où ils m'ont baptisée, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Après avoir été sortie de l'eau. Et j'ai vu que c'était quelque chose de positif déjà. Ça m'a plu encore. Après le baptême, il fallait faire le brisement de liens. Et il y a mon pasteur, mon faisait de disciples, qui était en déplacement hors du pays, qui m'a demandé de travailler. Et bien aimé, j'étais tellement décidée à être délivrée authentiquement de tous ces esprits-là que j'ai commencé à travailler à la maison. Et j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, chose que je n'ai pas signifiée, j'avais des perles aux reins. Voilà, pendant tout ce temps-là, j'avais des perles aux reins. Et je n'ai jamais su que ces perles aux reins-là vraiment étaient un blocage aussi. Activaient l'esprit de nuit à pouvoir toujours être dans ma vie, puisque je n'avais pas encore fait de brisement de lien. Et c'est comme ça que pendant que j'étais en train de prier à la maison, j'ai commencé à enlever tout ce qui était sur mon corps. Je disais comme ça que je me dépouille, j'enlève tout ce que tu as mis sur moi, comme marque, tout ce que tu m'as donné, comme bague, bijoux, etc. Je te les restitue, je ne veux plus être avec toi, esprit de nuit. Et pendant un moment, j'ai senti une voix qui me disait, l'esprit est en train de me dire, mais tu me dois encore des choses. Et je lui ai demandé, c'est qu'est-ce que je te dois encore que je ne t'ai pas encore restitué? Et il m'a dit, tu as des perles aux reins que tu me dois. Bien aimé, quand j'ai entendu que tu as des perles aux reins que tu me dois là, j'ai pris ma main, j'ai coupé tout ce que j'avais aux reins. J'ai jeté ça à terre. Je lui ai dit, voici, je te donne tout. Même ce que j'avais gardé en réserve au cas où l'autre allait se couper, puis j'allais remplacer. J'ai tout pris. J'ai donné. Parce que je voulais vraiment avoir ma délivrance. Et c'est comme ça, après ça, ils m'ont programmé à l'équipe de brisement des liens. Et je suis venue. Ils ont prié pour moi. Frère, ce n'était pas facile parce qu'il fallait chasser l'esprit de nuit qui s'est manifesté. Et par la grâce de Dieu, comme notre Dieu est toujours vainqueur, les ministres de la délivrance, ils ont prié et l'esprit de nuit est parti. Mais avant de partir, il a dit comme ça que je lui avais été donné en mariage depuis toute petite. Et c'est du côté des grands-parents qui m'ont donné à lui. Et l'équipe de brisement des liens l'ont chassé et il est parti. Frère, j'ai été vraiment délivrée. J'ai été libre, libre. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Et Dieu, vraiment, dans sa bonté, va encore me surprendre à, tu sais quoi, pendant le renversement des principautés qui a été coordonné par le leader national, le pasteur Meunier Boniface.
Et ce jour-là, c'était au 32e jour. Au 30e jour, pardon. Et quand le pasteur a demandé à ce que chacun prie pour chasser l'esprit de nuit de sa vie, et il a commencé à proclamer. Bien-aimé, j'ai proclamé ce jour-là avec vraiment une force. Et c'est comme ça que je suis tombée. Et avant de tomber, j'ai senti mon corps, depuis ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, rempli de bijoux, de bijoux, des pierres précieuses, des chaînes de grande valeur. Et j'étais en train de tirer sur mon corps. C'est-à-dire que je faisais le geste en disant qu'il prenne tout ce qu'il a mis sur moi et que je ne veux plus rien de lui. C'est comme ça que l'équipe de brisement des liens est venue me chercher. Et ils sont allés me rendre ministère. Et pendant qu'ils me rendaient ministère, le Seigneur m'a fait grâce. Et ce démon-là, il est parti authentiquement. Et après cela, le dernier samedi de la croisade, le Seigneur m'a délivré authentiquement d'un esprit de mort qui vraiment aussi était dans ma vie. Depuis ce jour, depuis mon brisement des liens, depuis que j'ai connu la CMCI, une église où Jésus travaille, une église où Jésus libère les captives, parce que j'étais vraiment en captivité, j'étais en servitude. Parce que les esprits m'ont tellement fatiguée, j'étais obligée d'aller chez une amie sœur pour préparer pour elle. Et chaque fin du mois, elle me payait. C'est là-bas que j'ai rencontré la CMCI. Et c'est quelque chose que je n'avais pas accepté. Mais je me suis dit quoi? Peut-être que le Seigneur a voulu que je passe par là pour qu'il puisse se révéler à moi. Et je bénis Dieu pour la vie de cette sœur-là, qui a été vraiment un soutien pour moi. Et depuis ce jour-là, je travaillais avec mon faisceau de disciples qui vraiment a été aussi un soutien pour moi. Et je ne suis plus aujourd'hui chez cette amie seule-là, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vis chez moi-même. J'ai ma propre maison où je peux sortir et entrer quand je veux. Et j'ai vu que je suis aujourd'hui une femme épanouie. Depuis que j'ai connu la CMCI, j'ai décidé de me consacrer à Dieu. Je disais de remettre toutes les mains de Dieu. J'essayais de compter que sur Dieu. J'ai décidé d'abandonner tout, de quitter. Histoire de copinage, histoire de c'est mon chéri. Tout ça là, j'ai mis croix rouge. Et j'ai dit comme ça que c'est le Seigneur Jésus seul qui a le contrôle de ma vie. Et aujourd'hui, ma relation avec le Seigneur est devenue plus intense. C'est-à-dire que je peux passer des heures dans la présence de Dieu en parlant, mon Dieu. Je veux dire que j'ai trouvé ce Dieu que je cherchais tant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la paix du cœur pour encore attester que Dieu agit et continue d'agir dans ma vie. Il m'a permis d'avoir un travail. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il me fait, qu'il m'a fait de me racheter, de m'accepter, pécheresse que j'étais, menteuse que j'étais, fornicatrice que j'étais, impudique que j'étais. Mais le Seigneur n'a pas regardé à tout cela. Ça aurait été un homme, il allait voir tous ses défauts et puis me rejeter. Parce qu'aujourd'hui, je ne serais même pas en vie. Mais Dieu, Jésus, qui a donné sa vie pour nous, accepter de me prendre dans mon état de décomposition. Parce qu'il faut dire que j'étais décomposée, c'est vrai. J'étais en vie, mais j'étais décomposée de l'intérieur. Ça n'allait pas. Tout le monde m'a tourné le dos, mais sauf Christ. Et il m'a pris, il m'a restauré. Il m'a racheté. Il m'a libéré, il m'a délivré de la captivité. Il a fait de moi aujourd'hui une femme libre. Libre. Et je suis vraiment dans la joie. Je suis comblée. Je sais que
je suis dans une maison de Dieu où Dieu est là, Dieu existe. De retour après cette belle histoire, je dirais belle histoire car elle s'est ouverte avec la détresse, le chagrin, mais s'est refermée avec la joie et l'allégresse qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ délivre de façon authentique des esprits de Marie des Nuits et de la sorcellerie. Le témoignage de Tivoli Amédée est aussi un message d'espoir à tous ceux qui sont sous l'emprise de la sorcellerie ou qui sont oppressés par des esprits de Marie ou de Femme des Nuits. À ceux qui sont poursuivis par des sorciers, sachez bien, le Seigneur Jésus-Christ peut vous délivrer de façon authentique. Ou à ceux qui sont tourmentés les nuits comme dans la journée par des esprits de Marie ou des Femmes des Nuits, le Seigneur Jésus-Christ peut vous délivrer de façon authentique. À tous ceux qui sont désespérés, l'espoir vous est donné par le Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui souffrent de diverses maladies, Jésus-Christ est venu pour vous libérer. Malheureusement, tous ceux qui sont sous le poids des esprits méchants ou du péché préfèrent la religion à la place d'une rencontre ou d'une relation véritable avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez entendu dans son témoignage, elle révèle les actions spirituelles qui ont contribué à sa délivrance. Elle a accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ et elle a décidé de se repentir de ses péchés. S'en est suivi le baptême de repentance et par la suite le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres. Ceux qui acceptent la religion à la place du Seigneur Jésus-Christ, leurs vies sont caractérisées par le péché sans véritable repentance. Nous l'avons entendu tous dans son témoignage, elle vivait une vie de religiosité. Elle chantait, très zélée, vaillante dans l'église, mais elle vivait dans le péché. C'est lorsqu'elle a rencontré véritablement Jésus qu'elle s'est repentie. Elle a énuméré tous ses péchés, c'est-à-dire qu'elle les a confessés et les a abandonnés de façon totale. S'en est suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le baptême et par la suite le ministère de délivrance, que le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres. Aujourd'hui, sa vie a complètement changé. Nous pouvons le dire clairement, sa vie a été transformée. Fini les esprits de Marie des Nuits, fini l'emprise de la sorcellerie sur sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ peut le faire aussi pour toi. Tu cours dans les églises, tu n'as pas cette relation profonde avec le Seigneur. Il te faut la vraie repentance. Mais pour cela, tu as besoin d'être aidé. N'hésite pas à nous écrire sur ces différents numéros qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran. Nous allons t'aider et tu vas vivre l'expérience d'une délivrance authentique et totale. Nous sommes à la fin de ce numéro. Merci d'avoir suivi Vie Transformée. Nous nous disons au revoir. Et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.